Bonjour, donc je suis Benjamin, chef de cuisine et directeur de la restauration de l'hôtel Cantemerle. Je serai incapable de chiffrer le kilo, la tonne les tonnes de déchets qu'on fait par an. Mais quand on voit la quantité de carton, tout ce qu'on met au compost, qui est recyclé dans le jardin, qui est transformé en compost, ou le verre, ce sont des quantités vraiment énormes. Je pense que si restaurant plus restaurant plus restaurant plus restaurant avaient les mêmes gestes, ça aiderait beaucoup si c'est bien traité derrière. Donc nous, on trie les cartons, on trie le verre, on trie les déchets végétaux donc qui vont au compost, on trie les produits chimiques qui sont évacués à la déchetterie dans des bacs spéciaux, on trie les emballages, c'est déjà beaucoup. Pour nous, au niveau de la restauration, ça commence par la sélection des produits, des fournisseurs, de nos producteurs. Donc c'est la base de la cuisine, donc c'est les produits. Donc au maximum, on essaye de trouver des produits à proximité ou avec un faible impact écologique en termes de transport. Par exemple, en termes de poissons, dire qu'on travaille à 100% qu'avec des petits pêcheurs locaux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est impossible. Mais quand on commande un poisson d'élevage, par exemple, on va plutôt prendre de l'élevage dans la Méditerranée et en France plutôt que de l'élevage qui vient de Grèce ou de Turquie. Moi, ce que je conseille dans cette démarche éco-responsable, c'est d'y aller doucement, de ne pas vouloir tout changer tout de suite et de changer ses habitudes et de remplacer une habitude de travail par une autre habitude de travail. Et changer les habitudes, ça prend du temps. Et c'est nous aujourd'hui à changer nos habitudes pour transmettre aux générations qu'on forme des nouvelles habitudes de travail.